Monsieur Tremblay, vous savez que lorsqu'on a annoncé le projet, il y a... être la fin des débats. Monsieur l'évêque, malheureusement, nous a laissé entendre que s'il ne gagnait pas le premier référendum, il en fera d'autres. Ça, je ne trouve pas ça honnête, parce qu'on peut faire des référendums indéfinis jusqu'à ce qu'on en gagne. Alors, si... Ben, l'objectif principal de Carrefour Travail 77 est surtout d'essayer de trouver des solutions pour parer au chômage que nous connaissons actuellement dans la région. Bien, je pense qu'on travaille pour tous les secteurs. Là, on a le dossier de Chibougamau. On nous parlait cette semaine de la Pointe-Taillon qui, moi, pour un, avait décrété en étant président du comité sectoriel du tourisme au sein de la mission. Au Canada, sauf l'Alberta, mais qui va peut-être être obligé d'en imposer, parce que ça va bien que ça allait en Alberta. Il viendra vite, aussitôt qu'on pourra. Mais entre-temps, il ne faudrait pas oublier ceci. C'est qu'on ne peut pas dire que ça entrave la consommation pour les choses essentielles, d'aucune façon. Maintenant. Toujours un certain temps à percoler, et surtout que c'est un plan de relance qui est plutôt pour ajouter une perspective. Ça, là, vous avouerez que c'est pas seulement à Jonquière, on peut y penser, mais c'est pas seulement à Jonquière, c'est à tout le Québec. La maison Kéleb-Libardé, qui est une des grandes maisons d'évaluation financière, et qui nous rappelle simplement ceci. Dans notre confiance, qu'on veut atteindre un objectif qui a l'air exigeant au départ, et qui le sera de moins en moins si on fait une... Il y a quand, en fait, ça ne créera pas d'emploi dans la mesure où c'est une aluminerie de remplacement là, à court, à moyen ou à long terme. Ce qu'on appelle la révolution technologique. Si on veut être des gens... Mais fondamentalement, je dirais qu'au Québec, là, par rapport au Canada, il y a une... Je vais dire que depuis 80, nous avons connu des missions d'accident mortel dans le territoire du territoire passé. Personne d'abord aime recevoir un billet d'infraction, vitesse excessive, par exemple. Nous avons augmenté nos interventions radar et puis on envoie les effets de carnaval. Les trois prochaines questions, Catherine Delisle, André Brassard, René Laberge. Bienvenue à notre déjeuner hebdomadaire du Cercle de presse du Saguenay. D'abord, vous soulignez que cette année, notre assemblée annuelle qui s'en vient. Alors, je vais d'abord donner la parole à Mgr Couture, 5-6 minutes pour nous parler de son voyage. Par la suite, période de questions. Mgr. Merci. Bonjour. C'est pas long, évidemment, 5-6 minutes, mais je vous donne peut-être juste le cadre de ce voyage qu'on appelle ad limina, peut-être. D'influence. Hein. D'abord, la vie m'avait préparé, je pense, à ça. Chance que je le sache. Monsieur, à venir, je fais la navette entre Montréal, Ottawa et Laval. Et entre-temps, les organisations sociales du temps, les syndicats catholiques, dans ces congrès publics. Alors je me disais, mon Dieu, il faut absolument qu'on ait une vraie faculté de sciences sociales. Par ailleurs, l'autre dossier à retenir l'attention a été celui des relations Ottawa-Québec par rapport aux projets régionaux. Nous, on est intervenus, on a donné des engagements aux régions, aux électeurs de ce coin. Il y a des dossiers névralgiques et très importants. L'Ottawa va recevoir le Québec. Ce n'est pas des cadeaux que nous fait le gouvernement fédéral. Nous payons. Tout ça, déjà. Nous allons le payer à quelqu'un. Très éloigné de ce genre de préoccupation. M. Parizeau nous rendra plus près en temps. Et qui risque de continuer à se passer si l'indépendance ne se fait pas rapidement. C'est-à-dire de créer... Année des colloques, des séminaires, des conférences. Au sujet des droits de personnes. Nous avons un projet au Salvador. Des jésuites pour travailler avec les gens dans la mission mondiale. Un projet très important, c'est Femina à Costa Rica. Et en même temps, les gouvernements de l'Ouest ont commencé récemment petit de mon travail. Je viens de mentionner mon budget.
j'ai un budget qui est gelé par définition. C'est le gouvernement qui a pris les décisions, qui établit les frontières des activités des Nations Unies, déjouit les vies des gens à ce moment-là, il y a trois ans. Mais, après, nous avons une décision très directe. C'est pas une bonne idée de dire simplement, oh, c'est la responsabilité des Américains. Vous devez partir à partir de ça, puis alors analyser tous les aspects qu'on voudra. Merci, M. Parizeau. Votre première question. Comment est-ce que vous voyez comment est-ce que vous élaborez votre stratégie face à justement ce référendum du 26 octobre, dans le temps de confusion qui menace actuellement? Comporter une démarche qui est très simple. Il ne veut pas d'un référendum sur la souveraineté. M. Bourassa, déjà, l'indiquait depuis un certain temps. Là, le Congrès libéral de fin de semaine, avec la résolution qui est sur la table, et là, le gouvernement est en train de faire son lit. Et il dit, je veux un référendum sur les propositions fédérales. Ou bien, est-ce qu'il y aura un référendum pan-canadien dans tout le Canada, sauf le Québec, à une certaine date? Blackburn, les députés du Bloc et du PQ qui sont ici, et tous les autres, nos amis, qui sont joints à nous pour cette comparution, si je peux dire, devant le sac de presse. On a écouté le documentaire sur TVA, 600 000. Hein? Il y a à peu près 4 millions d'électeurs au Québec. 600 000, il y en a un que je cite, qui me dit, Monsieur Lisée, vous avez presque tout, je veux que vous ayez tout. Et qui là m'a parlé pendant 20 heures. Donc j'ai à réécrire des parties Ça a pas mal dérangé mon plan de travail, j'avais pas tellement de temps. Mais... Dans certaines de nos actions. Prochaine question, Lynn Marie Germain, on est venu dans cette matière-là, pour dire, écoutez, il faut se préparer pour des jours meilleurs, et il faudrait identifier les endroits là où on voudrait, parce qu'il y a des chargés de cours qui sont assez fantastiques en termes de prestations d'enseignement. Il vient pour une fraction au Canada anglais. Les mêmes questions se posent et il y a une école qui dit que c'est évident que le personnel ici. Le professeur a eu plutôt une tendance à augmenter. Donc, j'ai pas l'impression que votre argumentation, le fait qu'on a eu tendance au cours des dernières années à augmenter le nombre de gens de cours. Bien sûr, à la nécessité d'une formation. Nous rappelions que nous prônions un modèle décentralisé. Il y a Alain Gravel de Télémétropole, André Larocque de NPR, Lia Lévesque de la Presse canadienne, Jacques Millet, directeur de l'information à CKAC. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a Doris Larouche aussi. La perception des médias nationaux à l'égard des régions doit aider le milieu qu'elle sert à renforcer son identité, découvrir ses traits fondamentaux, se reconnaître dans la chanson des futurs accompagnements pour Radio-Canada depuis sa naissance en 1933, c'est-à-dire de ce qu'est notre culture régionale. On oublie aussi que Radio-Canada, Chicoutimi, nous présente un débouché pour eux. C'est un premier pas, souvent, pour justement, qui leur permet d'accéder aux grandes scènes nationales. Il ne faut pas oublier que c'est Radio-Canada qui produit encore quand même 6 heures par jour de production régionale. On produit un minimum de 6 heures par semaine. On a tout réduit notre programmation régionale. C'est une émission du matin et l'après-midi. Et on a également prévu des programmations. Les budgets, en fait, ça s'est confirmé officieusement. Ça va l'être officiellement pour être quand c'est important. C'est un peu le message que j'aurais dit. C'est bien sûr dans le temps. Des co-présidents à la coalition, ça nous permet justement de couvrir un plus grand nombre d'événements. On ne change rien. Leader souverainiste, est-ce que pas un peu... Nous autres, là, notre programme, ça va être élu le moins longtemps possible. Nous nous présentons pour être là le moins longtemps possible. Et quand la souveraineté sera faite, et si Lucien est intéressé à continuer, dès lors qu'on décide qu'on va être à la lutte électorale, qu'on peut les identifier du Bloc québécois, et pas simplement des députés indépendants, le problème qu'on a eu dans l'île Sainte-Marie, avec Gilles Duceppe, on parlait avec 4 députés indépendants. Pourquoi de ce matin, ça déroule de façon normale, de 9h à 10h, nous n'avons pas de problème, c'est là.
Je vais vous présenter immédiatement mes relations Mamou, qui est responsable du projet Innu 92, dont on parle depuis le début de l'été. Il va se faire du travail important du côté du conseil Atikamekw Matagnais. Je pense qu'il est important qu'on passe souvent avec ces gens. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer, que tout va bien. Je vais laisser la parole à M. Simon pour quelques mots d'introduction. Par la suite, on y va avec les questions. M. Simon. Alors, mesdames et messieurs, on est très heureux d'être ici au cœur du lac Saint-Jean dans la ville de cette semaine d'activité que nous déroulons ici à Chicoutimi. Nous avons aussi décidé de créer, disons, c'est dans ce cadre-là, disons, qu'on est venu vous rencontrer ce matin. Je sais qu'il y a pas mal de questions, disons, il y a pas mal d'interrogations, puis je pense de s'échanger, de vivre, voir, c'est par la voie, justement, d'une réunion comme ce matin, au lieu de voir. Moi, je représente la corporation culturelle Mamou. Mamou, la corporation culturelle, c'est une corporation sans but lucratif qui est... Originaux au cours des quatre prochaines années. En d'autres mots, nous lancerons un important nouveau produit à tous les six mois jusqu'à la fin de 1900. D'autres, au sein de l'industrie, promettent d'en faire beau temps. Toronto, en Ontario, les intermédiaires Chrysler Pépin, Chrysler Concorde et Eagle Vision Automobile Mondiale pour bien des années à venir. Le concept de la voiture habitacle avancée devrait lui maximiser l'espace intérieur. Mais ça, il y a beaucoup à changer en... Avec ces divergences, il faut être conscient qu'on peut partager à court terme... Un... ...à son emploi même, on a un job qualifié, à moins qu'on ait des appuis. Je veux savoir si ça passe au cas de situation. C'est que, bon, d'un côté, pas les pertes d'emploi, ce sont les pertes d'emploi, c'est un des problèmes qui sont reliés à ça. Donc, sur la question, bon, par rapport à la santé de travail à l'intérieur des salariés qui travaillent dans même emploi en fonction de ces études. Premières expériences à Progrès Dimanche, il fit un stage sur la Côte-Nord avant d'accepter la direction de l'information au réveil de Jonquière. Il faut s'asseoir avec les directions, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Et que Jonquière ne peut passer à côté de cette cure d'assainissement. Qui est un petit gars du lac Saint-Jean que vous connaissez tous, à partir des fumards. Un d'Allemagne, la Val-Gagnon nous dit que M. Cloutier est originaire d'Allemagne. C'est-à-dire, je suis natif de Chicoutimi, mais j'ai demeuré à ça. Ah. On s'en sort vraiment de la région. On sort d'on vient, parce que c'est tellement extraordinaire. C'est un peu la région qui nous aide, je pense, tout le monde. Pas souvent, là, j'ai eu des bons souvenirs dans le parc tout à l'heure, je disais ça avec la tempête. Mais j'ai vécu ça souvent. J'ai Martine qui vient de Montréal, qui s'inquiétait, qui m'appelle depuis deux jours. Il dit, surveille pas, il annonce de la neige. Mais si elle est là-dessus, si on a tant de documents là-dedans, ouais. C'est qu'elle avait sûrement l'intention c'est de s'en parler. Oui, Théâtre, capitaine, voilà ça. C'est un lieu d'améliorer dans la production de chaud et tout ça. Je pense que c'est l'endroit. Et moi, je rêvais d'avoir une salle ici. Puis, c'est pas évident, quand on passe en avant, c'est la rue Saint-Jean, quand on voit le Capitole, très longtemps à Montréal, ça fait quasiment une belle vue. Ça, je t'en dis, même moi, je m'en souviens pas, mais je m'en souviens. Une cure excellente. Il me semble que c'est évident. On va voir des châteaux, on va voir des spectacles historiques aussi. Quand on va à Paris, on va voir des musées, on va voir la ville, on va voir... C'était couru par tout le monde, c'était extraordinaire. Si bon soit-il, des farandoles, on y assiste si on, une fois qu'on y est. Mais là, on a raté de faire des centres d'attraction majeurs. C'est sûr que ça devient difficile en dernier, puis tu vas devoir venir avec la... Parce que tu viens, tu te connais, ou tu connais plusieurs aspects de personnes. Puis, on a le temps même de régler nos problèmes au fur et à mesure. Alors,
Oui, ça crée des tensions, mais c'est un certain dommage. Donc, à ce moment-là, le leadership devenait un partage. Et ça, c'est pas toujours facile. Diminuer sa concurrence avec les régions. Si on veut avoir un Montréal fort qui va nous être utile, c'est un Montréal qui va concurrencer avec nous autres et avec lesquels on va concurrencer. Une réponse imprécise là-dessus. Je crois que, en premier lieu, je dirais que l'aspect francophone, qui nous sommes et ce que nous faisons. Et je crois pas que cela aurait été possible sans. Parler des contributions qu'ils ont faites pour... Oui, de mettre $5,000 pour le faire genre, qui sont... Une certaine crédibilité avec nos deniers. Il faut dire qui. Et on veut utiliser la misère pour contrer la misère, en fait. Mais la part ne diminue pas. Alors, ça a l'effet contraire. Les nouveaux accords, mettons, du GATT. Est-ce que les agriculteurs se sont préparés à ça? Le silence sur cette révélation. Ce n'est pas encore arrivé cette année, mais je dois le mentionner parce que c'est un privilège. Véritablement, la directrice générale, enfin, celle qui fait fonctionner, qui fait tourner la... Merci, M. le Président. Immédiatement, M. le Président, faites référence aux gens qui m'accompagnent. Trois, quatre points dans cette présentation. Tout d'abord, en premier lieu, vous parlez un peu du sens des fêtes et un temps d'arrêt privilégié pour l'ensemble de la population de la ville de Chicoutimi. Suivi par... À l'intérieur de cette programmation, vous avez différents éléments qui sont des premiers. Madame Denis, ce qu'on a en particulier, pour l'appel de la population en tant que sec, parce qu'ils font la remission des livres, le rapport Temel-Dubuc, les amendements acceptés par le bureau de direction l'unanimité. Alors, le secte de presse du Saguenay a été fondé en 1969 pour favoriser les relations amicales et professionnelles entre des personnes liées au monde des communes, exceptionnellement prendre position, cependant, dans le cas où la fonction même du journaliste ou du relationniste est mise en cause, ou quand les principes de la liberté de la Constitution de l'année de champ, le règlement numéro 1, c'est sur le statut. On part ensuite dans le règlement numéro 3 de la cotisation, la carte membre, l'Assemblée annuelle qui a toujours lieu le troisième mercredi d'avril. Les juniors qui n'ont pas le droit de vote, etc. Et on leur demande de donc venir voir, mais sans maudire. C'est un privilège donc que d'être membre du cercle de presse et de pouvoir y voter pour les étudiants. Je poursuis en vous disant que la définition du journaliste a peut-être le mérite d'être large. Définissant de l'ATM qui voudrait, c'est très pratique, prendre le contrôle. À ce moment-là, oui, il y a des gars qui sont plus disponibles, il y a plus de gars qui ont siégé. Réglé par soi-même avec le temps, à condition que l'Assemblée générale se tienne à un moment où tout le monde peut être disponible, ou enfin la majorité peut être disponible. La situation qui a été mise sur le pied par des amis, quand j'ai terminé, permettre ça, pour poser une question inutilement, je suis dans les pays en voie de développement, et au développement. Ici, on parle de décrochage scolaire au niveau secondaire, là-bas, c'est décrochage au niveau primaire. 11 écoles secondaires. Là, on est rendu à 22. Ça, c'est dans la région de Montréal. Et les activités de coopération par nos jeunes qui est une valeur éducative. Par exemple, la collecte. L'aspect environnemental s'est développé au Québec. Si vous regardez les coûts, on investit 1,8 milliard pour sauver à peu près 3 000 mégawatts. Dans notre plan de développement, pour à peu près 700 mégawatts au niveau de la cogénération, donc des énergies nouvelles. Donc au niveau de la cogénération des mini centrales, c'est quand même limité en termes de développement. Par exemple, en 85-86, on a eu des augmentations de l'ordre de 14 à 17 % dans la région de Montréal. Je demande ce qu'on puisse voir, qu'on puisse trouver une solution qui nous conserve la qualité télévisuelle qu'on a toujours connue. Joanne Marcotte. On est porté à se demander si ça sert vraiment à un ministre des Communications, finalement. Est-ce qu'on ne doit pas attendre d'avoir les pouvoirs, ensuite on aura un ministre? Ça sert à quoi un ministre des Communications, Québec? Alors, je pense que sous forme des initiatives dans les régions éloignées pour qu'on puisse établir des infrastructures de communication, entreprises qui se spécialisent dans ce secteur. À l'Université du Québec, et l'autre qui remonte au début de ma carrière,
Il y a d'autres éléments que l'économie, elle n'est pas pure, mais la société comme telle, il y a des éléments à faire valoir dans la société, c'est-à-dire le côté économique. L'écolo, l'inèse, et l'occultation qu'on a faite de nos dépôts, les chômeurs et les sans-emploi. Alors, on a tenté d'occulter la réalité quotidienne de notre vie. La liste à une immédiate et aussi pigiste. Alors, ce matin, nous avons les dirigeants de la presse écrite, incorporée, une importante maison d'imprimerie au Canada. Il est également membre du conseil d'administration des entreprises AMAX, banque de sa feuille de route. Il est président, il a été président aussi du comité exécutif de la communauté urbaine de Montréal de 1978 à 1985 et maire de la ville d'Outremont-Rouyn. À l'éditorialiste en chef, durant cette période, il s'occupa de la gestion. Je me rappellerai toujours, je crois que c'est l'an dernier. La philosophie de Hollinger est une philosophie de gestion décentralisée. On a le Silicon Valley ici, le long du Saguenay. Vous avez Alma, l'aluminium, Jean-Pierre, qui est l'organisme de l'aluminium. Ils ont payé normalement. C'est pas des salaires astronomiques qu'ils ont. Ils ne missionnent pas, là. Ils quittent ses fonctions au moment où la nouvelle équipe va être en place. Quand est-ce qu'elle va être en place? Ça peut être au mois de juin, ça peut être au mois de juillet. Actuellement, de l'équipe, c'est d'essayer non plus d'équilibrer le budget. C'est possible maintenant. On sent que c'est possible. Mais vraiment de diminuer le déficit. Il y a quand même 200 pour servir naturellement depuis 2 mois et demi. C'est par exemple, on n'a pas remplacé le directeur de l'administration finance. C'est le recteur et M. Normand Côté et son équipe. Le 12 septembre 1972, lorsqu'elle a été créée, okay, ça a été au niveau de 5 syndicats qui ont l'idée, la fédération, et donc le syndicat qui avait pris naissance d'une façon... Je pense quand même qu'avec les années, ça a évolué dans le bon sens, les meilleurs droits, c'est... Et dans quelques jours, nous aurons les dénouements de ce grand débat de campagne qui se trouvera seul avec l'idée du calendrier du Québec qui fait en sorte que tout à l'heure, ensuite, je vais passer 2 jours à Québec en rayonnant autour de Québec, ensuite Charlevoix jusqu'à Bécomo, une grande assemblée samedi soir et de retour dans la région dimanche ici pour poursuivre ensuite à Montréal la semaine prochaine avec les points dans d'autres régions. Et en ce qui me concerne, dans mon comté également, un certain nombre de problèmes qui ne s'arrêtent pas parce qu'on a le référendum. Donc, je vous assure, le 27 octobre, je vais parler de choses. Simplement analyser les messages que la population nous donne. C'est elle-même, et je vous laisse le choix de poser la question au Québec, en fonction du référendum, et qui irait à l'encontre de la loi. La loi québécoise est très claire et très sévère. 30 secondes, et qui a duré pendant 10 semaines, et qui demande, concernant les enfants, problème. Et vous avez des questions à répondre à toutes sortes de questions qui sont d'intérêt public. Alors, ça va? Je que me témoignent mes concitoyens. Je tiens à préciser que c'est en tout, parce que c'est en tant que militant libéral, Mitch, je passerai rapidement, c'est moins que Mitch, je pourrais détailler si vous voulez par la suite, sur la société distincte qui demande pour pouvoir les exercer pendant 5 ans. C'est une réduction du Québec. On n'en parle plus des deux nations qui ont fondé effectivement le Canada à 3 quarts avec ces documents. Si on va tout aux offres, et que le gouvernement change, j'entends qu'il a fait publiquement à la TV, à Anne-Marie Dussage. On va en parler. Avec les péripéties qu'on vient de traverser, et si on vote oui, nos gains futurs sont compromis par le veto que possède. Bonjour. Bonjour. Les
pas, c'est sa participation active au débat politique. Et dans le cadre de la campagne fédérale, Jean Chrétien et Jean Charest ont subi ces foudres. Et aux souverainistes qui seraient tentés d'appuyer Jean Charest plutôt que le bloc pour punir le gouvernement péquiste des dures compressions qu'il met de l'avant, il souhaite qu'il n'oublie surtout pas le rapport Charest en 1990, celui que l'on a appelé Nietzsche-Mouin et qui a été à l'origine de la démission de Lucien Bouchard, alors membre du gouvernement conservateur. Nous avons, mes collègues et moi, mes collègues sont présents ici ce matin, eu à mettre en place des bureaux de comté. Aucun dossier ne nous a été transmis là, de la députation précédente. Nous avons eu à bâtir des bureaux de comté. Nous avons... Est prêt à travailler en concertation au niveau régional, je dis. Au niveau régional, moi, ça me fera plaisir de travailler en concertation. Sauf que... Je voudrais rajouter là-dessus, c'est bien sûr quand même, quand bien même qu'on vous fera croire que les... Il y a une définition scientifique des tâches. Fixé par le nouveau premier ministre, est-on un peu plus clair? Il y a une... Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ouais. Bonjour, ça va bien agité la dernière fois. Donc, on accueille ce matin au sac de presse du Saguenay chef de l'opposition, chef du Parti libéral, M. Daniel Jeanlin. Merci. Les 6 décembre, et vous avez vu que le gouvernement du Québec a reconnu... On a choisi cette photo-là, je pense que c'est une belle photo pour représenter la ville. Dossier avant même, parce que quand je me suis présenté, je vais parler de dossier qui n'était pas terminé et qui devrait se terminer. Normalement, 600 000. Il y a près 4 millions d'électeurs. Soit dans notre équipe. Il va se joindre à nous à Ottawa. Il battra des records parce qu'il sera le plus jeune. Tous ces mots. Mais est-ce que vous négociez pour qu'au moins... Vous devriez savoir ceci. Que d'abord, ce n'est pas nous qui avons empêché le chantier. Vous avez le temps de vous servir votre café. Alors, il va nous chercher un café. Regardez ici. Ah bon? Elle a soulevé de nombreux débats, notamment celui de l'utilisation des... On a un peu de temps après avoir parlé de la publicité et puis d'autres choses. pour le millénaire, pour les étudiants, pour l'histoire et aussi la médaille du gouverneur général. Les derniers mois de publicité... génération. Et ça, par exemple, se montre au Cap-Breton. Bonjour tout le monde. Je veux seulement souligner que c'est la quatrième. Ça devrait être une rencontre intéressante. Ensuite, je vous fais grâce des autres invités. Alors, bonjour, M. Charest. On s'est croisé en vol. Merci, Bertrand, de cette belle déclaration. M. Charest. Très longtemps de sillonner les sentiers de motoneige de votre région. C'est une visite de quelques jours qui me permet de me familiariser aussi avec les dossiers de contribuer à cette prospérité et qui méritent en retour qu'on reconnaisse leurs besoins. Al Larose ne met pas de gants blancs quand il parle du gouvernement Charest. Il y a un problème de compétence ou d'incompétence. J'ai bien voulu accepter notre invitation. Nous avons accompagné Françoise Gauthier. Avec Carl et Françoise, on a fait une annonce d'investissement chez très important. Je pense que la stratégie énergétique dont je... Monsieur Michel Larouche. Merci. Donc, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Heureux de me retrouver au Saguenay, surtout que depuis... Il y en a 43 qui sont la même chose. Dans l'Internet, ce qu'on voit, c'est que 85 % du trafic qui est généré au Canada anglais, ça va directement sur des sites américains. Pourquoi? Parce que les Canadiens anglais, comme en télévision, consomment des Québécois en information en ligne au Québec. Okay? On va être numéro un. Il va y avoir de la valeur être numéro un dans ce domaine-là. Maintenant, les questions-là ne peuvent être expliquées en dedans d'un reportage de 2 minutes. D'où la nécessité, je comprendrai les noms
par taxe. La rencontre de ce matin, c'est sûr, c'est bon, c'est pas un débat, c'est un... On fait peut-être un petit retour sur la dernière campagne électorale. Sent-il besoin de venir? J'ai toujours eu de la misère à développer, je sais bien, je ne sais pas pourquoi, mais votre région en est une. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une région où on a toujours eu de la difficulté à développer. Puis ça, là, moi, j'étais... On avait toujours des problèmes à lever des projets ici. Après ça, je me suis ramassé au Fonds de solidarité. Au Fonds de solidarité, aussi, on a eu des problèmes. On a créé des choses et, si je me souviens bien, le premier endroit qu'on a créé... Je me sens heureux. J'ai passé quelques minutes avec vous. Je vais passer rapidement à l'événement. Sur le territoire de la MRC du Fjord du Saguenay. Je compte sur vous pour examiner... En pratique privée, et comme il s'ennuyait, il a décidé de venir se mêler un petit peu de politique municipale. Alors... sources et les racines, ils font beaucoup dans tout ça. Ça dépend du joueur aussi. Pourquoi vous l'avez du hockey? Ben ça me fait peur. Puis ça fait peur à bien des gens. Le hockey aujourd'hui, si on regarde les équipes canadiennes, surtout les équipes canadiennes, dont les salaires sont payés en US. Calgary, Edmonton, Montréal, Ottawa, Vancouver, c'est des petits marchés. Les équipes américaines ont de la difficulté aussi, de colorer l'argent. Mais ce qu'on ne sait pas, par exemple, dans tout ça, c'est que les revenus sont partagés dans toutes les ventes. parce que les bureaux de liens salaires ont commencé à penser à des... M. Talascope a été très ferme là-dessus. Les gens au Québec vont avoir... les gens au Québec qui ont besoin de soins pour améliorer au secteur privé, mettre le système de santé plus dynamique. Il va falloir créer de la richesse nouvelle rentrée au pouvoir au fédéral. On avait remis en cause la décision de construire la fonction fiscale. On avait enterré dans la paille. Dans la plateforme qu'on a rendue publique la semaine passée, il y a quelque chose qui est... Je pense qu'on est le premier parti dans l'histoire qui fait ça. Pour les deux premières années... Tu vas peut-être avoir un petit quartier. Ah, c'est pas un quartier. Monsieur André Harvey, candidat du Parti libéral d'Achicoutimi-Lafjord. Monsieur Alcide Boudreau, qui est candidat du Parti conservateur d'Achicoutimi-Lafjord également. Et Monsieur Michel Gauthier, qui est candidat. Au départ de ce matin, hier après-midi, on a reçu un téléphone pour nous dire qu'elle avait une annonce importante à faire à 1h après-midi et qu'elle ne va pas participer au débat. 5 minutes pour faire une présentation. L'ordre des présentations va être fait par tirage au sort par M. Miron, le président de l'action officieuse du... Quand vous allez entendre le son de la petite cloche, je vais dire qu'il va rester 15 secondes dans votre intervention. C'est pas important. Et après 20 ans des privilèges consentis, on se ramasse avec 5000 jobs dans le primaire. C'est pas la nationalisation qui est majeure. C'est de créer des partenariats avec les multinationales. Et vous faites remarquer qu'à travers les... disent les libéraux, ce que disent les conservateurs, l'NPD et le Bloc. C'est pour ça que nous, la semaine prochaine, je pense, les candidats de la région présenteront une plateforme régionale. Parce que c'est le lot de beaucoup de régions. La question du bois d'oeuvre, la question de la pêche, l'ensemble des activités forestières. Et ça, on n'est pas reconnu avec les tragédies que l'on a vues au cours de ralentir l'exode, d'empêcher, d'éliminer l'exode des jeunes que favorisent les politiques actuelles d'assurance-emploi. Si moi, on a été appelé à faire avec nos collègues à la santé et le docteur ministère pour mettre en liste des équipes qui nous entourent du ministère, on a toujours à attendre et à ajuster. Et c'est précisément ce qu'on a mis en liste. J'en parlais plusieurs dans la même temps. Donc, avant de passer à la période des questions, je voudrais juste rappeler nos membres, on va d'attendre le micro, s'il vous plaît, avant de poser la question. Et deuxièmement, on évite les questions en plusieurs volets. Dernière chose. Sur mise en place du développement durable, vous avez posé une part dans votre document. Dans tous les diocèses du Québec. Et je le dis à qui veut l'entendre, j'aurais été nommé dans un autre diocèse et je suis civil de la province de Québec qui origine de 1917. C'est une loi civile. Beaucoup de gens ne savent pas ça. C'est pas une loi de l'Église. Mais bien sûr, elle permet de fermer une Église. Mais dans certains cas, c'est la froide et dure réalité qui l'exige. Et comprenez mon langage. L'éducation de la foi et éducation à la foi
à tous les âges de la vie. C'est le grand défi de l'Église aujourd'hui au Québec et c'est vrai chez nous. Une chronique de Pierre Foglia, le populaire chroniqueur de la presse, qui écrivait le 22 décembre. Éric Caron, le président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, et que l'Assemblée générale annuelle du 7, maintenant qu'on va arrêter le micro du matin à Click FM. Sans plus tarder, on va passer à nos invités. Et Françoise, on a fait une annonce d'investissement chez Gilbert Tech, un montant de 10 millions de dollars. Est une compagnie qui est leader mondial dans son domaine. C'est tout à son honneur à lui. Mais malgré ça, on continue d'attirer au Québec des chercheurs. On continue à travailler très fort pour maintenir le niveau de recherche qu'on fait. Je terminerai en vous disant qu'il y a deux grands projets qui s'en viennent au Québec qui vont nous permettre d'attirer. Deuxième grand secteur, deuxième grand objectif, création de richesses. Et l'industrie forestière, en ce sens, le Parti québécois parlait de parler avant le budget. J'ai annoncé aussi une série de mesures pour venir en aide aux régions. C'est très important, aux PME particulièrement. Ajouter 30 millions de plus. Mais il y a un nouveau également les fonds. La chicane autour du débat du financement de l'IRDA. Priorité, pas seulement du Parti québécois, mais de toute la région. On est les seuls aussi qui parlent dans l'art forestière d'imposer un contenu de bois dans les édifices publics. Et même de ces idées-là qui ont été reprises au niveau. Parce que je pense qu'il est important que Chicoutimi soit représenté avec beaucoup de vigueur à l'Assemblée nationale du Québec. Je veux d'abord et avant tout axer toutes mes interventions dans tous les élus comme député pour en créer d'autres, par exemple. C'est arrivé à plusieurs reprises que parfois pour certains dossiers. Donc un ne deviendra député de sa circonscription. Peut-être deux. Le prochain. Mais évidemment, ils ont tous. Merci pour votre dernières années que j'ai constituées, et elle est unique parce que depuis la mort de Mgr Victor, il sera mon supérieur. Parce que je vois toujours. Alors, je ramasse des caisses et des caisses de documents qui sont encore cachetés dans des lettres qui appartiennent à Victor Victor. Notre point de justice va être pris, et on va applaudir à cette attitude-là, comme il l'a fait avec les chefs charismatiques dans le présent d'élection, je n'en vois pas beaucoup. Mais si les gens ont l'impression qu'il est trop... faut pas qu'ils soient parqués, comme disent les Anglais. Là. Parce que, tu sais, on a commencé à faire passer, porter des gilets de l'État et tout ça pour essayer de l'adoucir. Et est-ce qu'ils vont être capables, tu sais, est-ce qu'ils vont être capables de... directeur régional des PCA. Alors, comme vous avez pu constater sur vos devantures de bureau, nous avons remis un document, là, ça fait parallèle avec ce qui est sorti ce matin dans les médias. La correction que je voudrais apporter, c'est que vu que c'est national, parce que Kitsimat est impliqué au PCA, Bill Mermignan, et qui révèle toutes les... la raison pour laquelle c'est dans les journaux ce matin, parce que au niveau du bureau national, on fait affaire avec la presse à Montréal, Mme Barry, qui elle est en... ce qu'on vient sortir là-dedans, moi j'ai été un des premiers à sortir sur la place publique, dire que oui, il y a crise financière. La principale ville de la région, et on commence aujourd'hui avec la deuxième ville la plus populeuse, Alma. Les quatre candidats ont accepté chaleureusement de se présenter devant cette conférence. Et du Saguenay, c'est l'économie.
Et comme Alma... Notamment l'implication générale de la ville. En une minute, évidemment. Ben oui. Moi, j'aimerais savoir, en 30 secondes, de la part des quatre candidats, quel est le bilan que vous faites de l'administration scalienne de 2003 à 2009? Bonjour. De dérapage médiatique. Me retrouver en plein milieu donc de cette tempête. Pas ici, là, c'est pour ma région. Mais dans les autres régions, je ne suis pas le ministre des Finances à la télévision. Bonjour, Élie Carsonneau, fait plaisir. Bonjour, fait plaisir, moi aussi. Bonjour. Moi, je prends le dossier de front, comme je l'ai fait il y a quelques jours, en Gaspésie. Il faut revoir tout ce dossier-là pour s'assurer que les retombées excèdent. D'aller voir comment la structure de Saguenay était faite. On n'a pas arrêté, parce qu'on est rendu en élection, on n'a pas arrêté notre réflexion là-dessus, mais voir quelle structure. Je vous donne un exemple pour les salaires moyens, et c'est quand même assez frappant. En général, les hommes ici, en moyenne, c'est que les hommes, bien qu'ils fassent moins d'études et moins longtemps, et on vous a passé. Ça ne doit pas être détruit, ça doit être préservé. Mais préservé dans les limites des autres droits, en fonction d'un équilibre qu'il faut sans cesse renégocier. Ça n'a pas été fait, et c'est parfaitement raisonnable. On avait oublié que dans la société, il y avait... Ah, moi, depuis le début, depuis que je l'ai déposé la semaine passée, j'ai dit... Si tu consultes le monde, il faut que tu sois prêt à écouter le monde. Si tu demandes aux citoyens de te donner ton... si tu demandes aux citoyens qui te donnent leur avis, il faut que tu sois prêt à prendre en considération l'avis du... De l'État est de 29 millions de pieds cubes par année, dont 12 millions de mètres cubes pour la forêt privée. Oui, c'est... Il y a d'ailleurs un comité d'accueil à l'entrée, plusieurs manifestants. Monsieur Gouillard, par contre, lors de son du dernier mois, il y a eu des événements malheureux aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est bien connu aussi, qui a marqué notre actualité politique à plusieurs reprises, parfois avec une interruption. Qu'on m'a invité à venir vous rencontrer, je me suis dit, c'est aussi bien d'aller directement dans le bain. De toute façon, les journalistes vont demander des entrevues. Le secrétaire de presse vous propose une grande bombe. Ben oui. Nous allons recevoir cet après-midi les trois chefs, les trois candidats. Et ensuite, je vous lance donc le micro. Vous êtes vous-même libre des questions. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule du cercle de presse, c'est une institution, le cercle. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ministre, ça va si bien? Enchanté. On va dire bonjour aux gens. On rencontre les gens, c'est l'animateur de la société. Que ce soit les portes des maires, les portes des préfets. Les gens viennent voir, et hey, moi j'avais un an au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, la responsabilité va devenir à chacune dans son fonctionnement comme il est là. Je suis dans tes jambes, hein, mais en durant. Non. On procède comme vous avez dit, c'est chacun des candidats 3 minutes pour faire une présentation. Oui. Pas trop nerveux? Non, c'est pas moi qui ai parlé. D'accord, très bien. Mais c'est vraiment parmi les meilleurs journalistes au Québec. Hein. Vraiment un talent fou, maintenant reconnu au niveau international. On n'est pas là. Merci, M. Lisée. Elle a été augmentée. Et voyait aussi la nécessité de briser certains cycles au niveau du développement économique. Il fallait innover, il fallait penser les régions autrement. Et d'ailleurs, il a cité, par exemple, le projet des serres Toundra qui, bientôt à Saint-Félicien, va créer 400 emplois. Alors, le premier ministre... Les gens à Chicoutimi sont bonnes grands. Bon, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Aller plus vers une approche fierté. Hier, on a perdu 1200 emplois.
On sait aussi qu'au Saguenay... et de comptables d'entreprise dans les 30 dernières années. Comme vous le savez, alors, merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Donc, ça va être l'occasion aujourd'hui de revenir justement sur l'histoire de l'université. Mais avant de commencer, bien, la parole est à vous. Donc, je vous laisse quelques minutes. Alors, merci beaucoup. Cette invitation tombe vraiment bien. J'aimerais peut-être commencer par un petit clin d'œil à l'histoire, parce que je pense que les destinées du cercle de presse et de celle de l'UQAC sont assez proches et s'entremêlent dans les fils de l'histoire, parce que le 19 mars 1969, vous aviez votre premier cercle de presse. C'était la fondation de l'UQAC et c'était notre recteur, M. André Desganés, qui faisait le premier cercle de presse. Alors, j'en profite pour vous souhaiter, à vous aussi, bon 50e. Et je trouve que c'est un beau clin d'œil de l'histoire que ce double anniversaire arrive aussi en même temps. Alors, c'est le fond des fois, l'histoire, quand on se met à la regarder, comment elle nous révèle de belles surprises. Alors, bonne fête à vous tous.